ces deux choses-là. Jusqu'en 2015, on arrive à ces gens de mort subite ou bien de aller contre son prochain. C'est quand même déplorable. C'est un acte pour Dieu. C'est une... Effectivement, tuer l'homme, c'est pas bon. Mais si c'est en train de prendre un problème politique, ça peut se résoudre. Comme moi, normalement, ça se met, c'est mon avis. Que ce soit politique, voilà. Tuer l'homme, c'est pas bon. C'est ce que mes mains ont dit. C'est là j'attends en France. Tout le monde est montage. Hein. Ah, tout le montage. Parce que l'histoire des attentats, toujours. À tout moment, ils font des choses. On ne sait pas, ils font à cause de quoi. C'est ici, ils débrouillent, ils vont casser les mosquées, de temps en temps. Les églises partout, les appartements. Bon. Moi, sincèrement, pour moi, c'est un montage. Ils sont assis en haut et puis ils se font pas. Ils font bouger le monde, sinon. Selon les attentats de Paris, je condamne fermement ces actes parce que voilà, ce sont des actes terroristes. Donc, que ce soit à Paris ou dans n'importe quelle autre grande ville du monde, c'est des actes qu'il faut condamner parce qu'on dit non au terrorisme et on dit non à l'avancée de ce terrorisme qui de jour en jour gagne de l'ampleur et voilà. Donc il faut que toutes les autres nations soient en alerte maximale pour éviter, pour chasser, n'est-ce pas, toute propagande de terrorisme. Moi, en tant qu'un Africain et en tant que l'un des premiers alliés de la France, nous condamnons fermement ces attentats, puisque nous ne voulons plus jamais de peine de sang, ni d'attentats, nous ne pourrons jamais soutenir ce qui se passe. Et j'espère que ceci sera vraiment... Ces auteurs seront vraiment châtiés et que nous, en tant qu'Africains, nous soutenons toujours la France. Merci.